deux très bonnes équipes avec beaucoup de joueurs de talent de part et d'autre. J'espère que ce spectacle sera au rendez-vous. Old Trafford, évidemment un grand stade de foot, mais qui accueille aussi d'autres sports et d'autres événements. Oui, des concerts notamment, mais aussi des matchs de rugby à 13. Il est d'ailleurs situé à quelques encablures d'un stade de cricket qui porte le même nom. On découvre ensemble la composition de l'équipe. L'entraîneur qui a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un ligueur losange. Voici donc la composition d'équipe. Les joueurs qui vont aussi évoluer en 4-4-2. Le match peut démarrer maintenant. Un centre bien négocié par le gardien. Andrea Pirlo. Oliveira. Un beau duel en perspective. La bonne occasion, peut-être le but. Oh, le but! Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Andrea Pirlo. Il a du soutien. Et sur son partenaire dans la surface. Il résiste à la charge. Andrea Pirlo. Il a choisi de centrer. Un Buffon qui s'impose dans les airs. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu.
Oliveira. Écarte le jeu. Oliveira. Allez, ne pas gâcher cette occasion, il a du soutien. Oliveira. Il donne son ballon. La frappe. Il est sur la trajectoire. C'est récupéré. Andrea Pirlo. Ouais, bonne abnégation sur cette interception. Clayton. Retrait pour le gardien. Il préfère centrer. Oh, ça permet de respirer un peu. Ouais, il perd le ballon à la suite de ce centre qui n'a trouvé personne. Ah, c'est sûrement le tournant du match. Hein. On revoit ce but. Il était dans la surface et il lui a suffi d'un tir subtilement dosé pour inscrire son but. Le gardien qui s'interpose sur ce corner. Andrea Pirlo. Il centre. Il essaye de s'appliquer là sur son centre. Et le ballon qui est sorti en touche. Andrea Pirlo. Bon, il y a des solutions, il y a danger. Oh, là, ça peut peut-être aller au bout. Oh, c'est bien parti. Oh, c'est l'égalisation qui s'envole tout simplement. Alors, il y aura peut-être d'autres opportunités, hein, mais il faudra quand même faire preuve de réalisme à un moment ou un autre.
ballon. Oliveira. Il va essayer de lui prendre le ballon. Ce ballon. Il a du soutien. Allez, tout le monde participe. Andrea Pirlo. Bonne anticipation sur ce coup, la défense qui veille. Il reprend une possession du ballon. Il prend le temps de centrer. Et deux équipes qui se retrouvent à égalité. On peut admirer une fois de plus tout le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Ouais, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent hein, souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Et puis ça paraît tout naturel. Et ils égalisent donc un but partout. Andrea Pirlo. Construit devant le but sans se précipiter. Sa chance. Oh le poteau! On va souffler un petit peu avec cette touche. Compliqué à reprendre finalement. Peut-être le but. Il vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. À la retombée peut-être. Partout, c'est le score à la pause. Il reste 45 minutes pour faire la différence. Bon, bilan plutôt satisfaisant hein, pour lui dans cette première période. Sans être étincelant, on peut dire qu'il a été bon. Bah, je retiens surtout son égalisation qui permet à son équipe de rester dans le coup pour le moment. Occasion. Peut-être le but. Oh, le but.
temps de centrer. Il fixait le ballon pour Berthe. Et deux équipes qui se retrouvent à égalité. On prend sa chance. Ouais, poteau. L'entraîneur qui choisit de procéder à un changement. Et les joueurs sont de retour pour cette seconde période. On voit comment ce but égalisateur a été marqué. Une très belle action qui se finit par cette reprise de volée imparable en plein milieu de la cage. Oliveira. Allez, peut-être une bonne occasion. Faute, carton peut-être. Et le voilà averti maintenant. Comme bien une faute sur son tacle glissé. Et le joueur s'est un peu laissé emporter sur son tacle glissé. Meller et ça soulage. Le corner à suivre, il va y avoir danger. Voilà, frappe. Ah, dommage, on avait l'occasion vraiment de prendre l'avantage. Et à Pierre Lowe. Ouais, une, deux. Une occasion. Oh, l'arbitre a sifflé, va-t-il sortir un carton? Récupère.
décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Pied à la retombée peut-être. Allez, touche. Allez, changement dans quelques instants. Clayton. Andrea Pirlo. Ah oui, ça siffle sur cette passe en retrait. Gardien du point. Et c'est un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester dans le match encore. Oh, s'il lève la tête, ça peut être dangereux. Oliveira. Gâcher cette occasion, il a du soutien. Andrea Pirlo. Ah, il vient buter sur la défense. Oliveira. On est dans les 30 derniers mètres. Clayton. Une possession du ballon. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Oh, la défense a eu chaud sur ce coup-là. Et le gardien, eh bien, il veillait, heureusement. Corner à suivre.
Oliveira. Ouais, la bonne prise de balle là, du gardien. Oliveira. Et l'entraîneur qui va faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. On va voir qui va quitter le terrain. Et le ballon qui est sorti en touche. Personne n'a encore fait la différence, plus que 5 minutes. Alors, on va apporter un petit peu de sang neuf avec un changement. Intéressant hein, ce chiffre sur la possession. Et ça reflète bien hein, l'équilibre de ce match quant à la circulation du ballon. Oliveira. Jacob. Rien n'est fait dans ce match. Les deux équipes au coude à coude alors qu'on approche de la fin du temps réglementaire. Et ce sera une touche. Voilà, voilà la frappe. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Corner dans les dernières minutes, ça va être chaud. Bon allez, il faudrait qu'il centre très vite. Attention, la frappe. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Et ce corner, il est d'une importance capitale. Au bout, il y a peut-être le but de la victoire. Oliveira. Et bien voilà, score de parité donc après 90 minutes de jeu. Peut-être le but. Oh, le but.
Temps de centrer. Il fixe le ballon pour Berthier. Et deux équipes qui se retrouvent à égalité. Il prend sa chance. Le poteau. Bien vu la passe et le tir, le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Oh, la défense a eu chaud sur ce coup-là, le gardien. Eh bien, il veillait, heureusement. Et la voilà, la frappe. Un bon arrêt du gardien sur cette action. Attention, la frappe. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Et ce corner, il est d'une importance capitale. Au bout, il y a peut-être le but de la victoire. C'est Pirlo qui sort. Alors, dans la prolongation, on sait que c'est surtout dans la tête que ça se joue. Ce sont les têtes qui font avancer les jambes. Ils ont un bon coup à jouer, là, attention. Ils cherchent un partenaire dans la surface. Voilà, au moins, ça débarrasse. Le ballon qui est bien parti sur ce centre. Quelqu'un peut reprendre ce centre. Ça coule bien. C'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Oui, bonne sortie. Et ça sort. Oliveira. Ah, ça joue bien. Oliveira. C'est sans problème pour le gardien. Ah, il concède un corner. Attention à cette occasion. Dernier mot sur ce ballon. Oui, bonne sortie. Ce ballon qui file en touche.
Oliveira. Bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, hein. Ils prennent leur temps. Ouais, toi à moi, ça circule bien. Oui, bien joué. Le tir. Ouais, bien joué le gardien qui capte. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. On s'approche du but. Allez, bien s'appliquer sur le centre. Allez, qui pour le reprendre? Et oui, but extrêmement important. Ils prennent l'avantage à un moment important. Ils prennent plus de risques, ils prennent plus d'initiative. Ouais, ils prennent plus de l'avant, c'est normal qu'ils soient récompensés. Et il faut un bon timing pour frapper le ballon de la tête de la sorte. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Et l'arbitre qui indique que la première période de la prolongation est terminée. Ce match plein de suspense qui continue encore 15 minutes dans cette seconde période de prolongation. Un retrait pour le gardien. C'est le temps du ballon. Un bon tacle. Ouais, le défenseur qui prend ses responsabilités. Oh, c'est bien parti. Eh oui, c'est dedans. Et ça fait deux buts. Deux buts pour son compte personnel. Regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but.
Et ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Il vient lui subtiliser le ballon. Fallait intervenir, c'est bien. Il a perdu le ballon. Ah oui, bien vu la passe. Allez, corner à suivre, et regardez, le gardien qui monte pour tenter sa chance. Et ce sera un corner. Et c'est capté sans problème par le gardien. Et c'est tout de suite plus facile quand on gagne. Ça y est, les joueurs se sont beaucoup donnés dans ce match et l'arbitre vient de les délivrer.